Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boîte dans la Boîte. Dans cet épisode, on continue et on termine l'installation de plomberie en FlowFit. Je sais, tu n'as toujours pas vu le sertissage et c'est dans cet épisode-là que tu vas pouvoir apprécier le sertissage. C'est vraiment une grosse innovation. Tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé. Bonne vidéo! Bon, on continue l'installation de plomberie avec le FlowFit. Donc c'est un multicouche. Je le rappelle, tu n'as pas besoin de l'ébavurer. Tu lui redonnes juste une forme bien ronde si jamais tu l'as un petit peu écrasé à la coupe. Et tu vois, ça s'emboîte direct. Après, ce qui est bien, c'est que tu as un témoin ici, tu vois. Tu vois le tuyau rentrer. Et à tous les endroits, tu vois. Et en plus, ça, je peux le tourner un peu dans tous les sens. À 360 degrés. Voilà. Pourquoi c'est important qu'il tourne à 360 degrés? Parce que, tu vois, quand tu fais ton install, l'idée, c'est de tout ramener devant au fur et à mesure que tu mets tes raccords. Tu vois, comme ça. Tu mets tout devant. Et comme ça, tu as un témoin de sertissage. En fait, la sertisseuse, elle va attraper ce témoin, elle va sertir et en même temps, elle va récupérer le témoin bleu. Et donc, du coup, quand tu regardes ton installation, tout à la fin, une fois que tu as fait toute ton installation et que tu veux tout sertir, si tu vois une pastille bleue, c'est qu'il manque un raccord qui n'a pas été serti. Et là, du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes. C'est ce qui se passe souvent dans des grosses installations. Les gars, bah, forcément, tu as le droit à l'oubli. Donc, ils vont sertir 99 raccords. Ils vont en oublier un seul. Et là, ça fait un dégât des eaux de malade. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, tu vois, j'ai déjà percé là. Là, je vais mettre mon rail Géberite avec les montants télescopiques Géberite, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans une vidéo précédente. Alors, les rails spécifiques dont je te parlais, c'est ceux-là. Et les montants qui vont avec, c'est le système Duofix. Donc, je l'avais mis dans le bus. Tu vois, ils ont une forme un peu bizarre. Ils sont beaucoup plus costauds que les rails et montants pour les plaques de plâtre habituelles, hein, que tu peux voir dans un peu de partout. Et tu vois, ils sont déjà pré-percés pour venir y mettre les fixations. Et la forme bizarre que tu vois, elle est faite pour recevoir les griffes, tu vas voir, du montant. Et ça se clipse vraiment en un geste. C'est vraiment très intuitif à monter et c'est beaucoup plus costaud. Tu vois, la qualité des montants, c'est du costaud. Ceux-là, ils sont un petit peu poussiéreux parce que c'était ceux qui me restaient du bus. Regarde, je fais comme ça. Là, tu as ton trait de laser pour être bien nickel. Là, l'idée, c'est que j'y suis pas. Pas assez. Ah, on est parfait. On est parfait. Après, tu le relâches. Il va descendre tout seul. Voilà. Une fois que tu sens qu'il est à son emplacement, et c'est fini. Voilà, donc là, on a mis nos montants. On a mis une réservation de 50. On a vraiment eu de la chance sur ce projet-là parce que ça passe vraiment juste. Là, il a fallu casser un peu la pierre sur les côtés. Ça passe juste. On a nos 50, donc c'est l'espace et la réservation pour le bâti. C'est la largeur du bâti. Donc là, il n'y avait plus qu'à insérer le bâti dans le rail, et pareil, pour que le rail soit fixé dans le bâti au sol, il y a un système qui est ingénieux, je t'ai déjà partagé plusieurs fois si tu me suis depuis un petit moment, et je vais te le repartager dans cette vidéo. C'est très simple, c'est deux petits crochets que tu tournes, t'appuies dessus et c'est réglé. Je vais te le montrer tout de suite après. Voilà, on est bon. Donc, ici tu as un repère du mètre fini, d'accord? C'est important que je te le dise. Parce que le mètre fini, c'est pas le mètre que tu vois là, dans le sens où déjà, dans ta rénovation, tu peux avoir un ras de grillage, du carrelage, peu importe, et là, tu peux perdre des fois 2-3 cm. Nous, c'est beaucoup plus parce qu'on a une chape à faire. Donc, à toi de rajouter toutes les couches successives que tu vas mettre. Donc, tu peux avoir, nous, une chape par exemple. Après, tu as un petit ras de grillage. Après, tu as ton
ton revêtement de sol. Tu additionnes tout ça, ok, plus 1 mètre, tu viens de tracer au mur, tu mets un coup de laser, et en fait ton trait de laser du 1 mètre fini doit venir s'aligner avec celui-ci. Donc, tout à l'heure, on va déverrouiller les pieds du bâti, on va les monter, histoire que ce soit aligné. Dès que c'est aligné, on les verrouille. Bon, j'en ai déjà mis un comme ça de l'autre côté. Donc comme tu peux le voir, ils font pas tous la même longueur. Donc celui-ci, tu peux le rentrer en premier. Et celui-ci qui a été coupé, bah, c'est celui qui va te faire le virage en fait. Donc tu le mets comme ça. Là. Et là, tu peux tourner sur toi-même. Tu vas jusqu'au fond. Hop là. Tu vas jusqu'au fond en buté. Et là, tout simplement, comme un pot de confiture de grand-mère, tu appuies. Et au lieu que ce soit étanche, hein, au lieu que le pot de confiture soit étanche, bah c'est le WC qui est verrouillé. Voilà, il est là le repère. Bon là c'est une étiquette donc elle est posée un peu de travers, mais en gros c'est celui qui est là. Je vais pas aligner avec celui-ci. Là on est en mode fini. Et là on est sûr que notre cuvette WC soit à la bonne hauteur pour se poser dessus. Si tu fais pas ça et que tu mets ta chape, tes revêtements et tout, et bah ton WC va être trop bas. Donc, fais vraiment attention. Ok, maintenant là il est fixé, on enlève le capot de la chasse et là je viens l'insérer par l'arrière. Tu as deux emplacements, tu en as un soit à l'arrière ou soit au-dessus, d'accord? Et puis ça ressort ici. Dans tous les cas, tu mets le petit robinet qui est normalement fermé, oui, il est bien fermé. Tu le mets comme ceci. Ici après tu as une bague de serrage. Tu vas bien serrer et surtout tu mets le robinet dans ce sens là. Pourquoi? Parce que ton flexible lui il arrive de là. Ça paraît logique mais si tu te trompes tu vas devoir tout refaire. Voilà. Et après tu n'as plus qu'à serrer ton flexible à la main, fortement à la main, pas besoin d'outils. Ta bague pareil, fortement à la main. Et l'arrière, je vais te montrer juste après. Voilà, j'ai fait une petite boucle pour venir raccorder le WC. Et là je vais venir le fixer avec ça. Ça, c'est un raccord Geberit qui s'appelle un master fix. Et donc, du coup, au lieu de mettre de la filasse ici, et après de venir serrer avec un raccord, il n'y a pas de filasse à mettre. Tu l'utilises directement comme ça. Tu l'enclenches, tu vis à fond, et après, tu as un témoin sonore. Enfin, je vais te faire écouter. Hop. Hop, t'entends? Voilà. Donc là, ça, c'est ton témoin sonore. Voilà. Après, tu as un témoin visuel, il faut que ce soit bien embuté. Là, il est bien embuté. Donc là, c'est bon. Là, t'es garanti anti-fuite. Bon, alors, cette pipe, elle est vraiment sympa. Elle est fournie avec. Là, comme on était en Silent PP, j'avais aussi une pipe en Silent PP que j'utiliserai pas pour la simple et bonne raison que dans le local technique, en dessous, on est en PVC. Donc, tu vois, c'est le PVC du bâtiment. Et on va venir tout raccorder dessus. Donc, pour une toute petite pipe et un coude, je vais pas m'amuser à faire des passerelles entre Silent PP et PVC normal. Donc celui-ci est vraiment bien, il est fourni avec et il est orientable. Tu vois, ça te permet de vraiment aller dans tous les sens, récupérer des angles. Tu sais comment c'est, à chaque fois il te manque toujours un petit degré pour avoir ce que tu veux. Et grâce à ça, c'est pas mal. Par contre, la plomberie, tu sais comment c'est. La plomberie, malheureusement, t'as beau essayer d'avoir du stock, il te manque toujours un truc. Donc là, il va me manquer un Y, je pense qu'on va partir là-dessus. En sang, je mettrai un tampon dessus avec de quoi récupérer le cumulus. Voilà, donc on va laisser ça en stand-by. Bon, alors là, on va refermer les plaques. Donc, du coup, on a serti ces éléments-là. On est venu bien fixer notre tuyau d'eau chaude, d'eau froide et notre tuyau d'eau chaude. Voilà, comme je t'ai dit, on aurait pu mettre un tuyau, une gaine rouge et une gaine bleue, mais ça nous demandait d'acheter deux rouleaux, donc un rouge et un bleu, et pour un petit chantier comme ça, ça sert à rien de ramener des kilomètres de tuyaux. On arrive à se repérer, mais toi, si tu n'as pas envie de faire d'erreur, tu prends bien un rouge et un bleu. Donc voilà, eau chaude ici. Là, on se retrouve inversé, comme je te disais plus tôt dans la vidéo, parce que là, ça va donner dans la cuisine, donc pour le moment, on s'arrête là. Je vais juste mettre un petit morceau de tuyau comme j'ai fait là. Après, je vais ouvrir de l'autre côté. Quand ce côté-là sera fermé, je mettrai un renfort en bois de ce côté-là quand tu auras la plaque. Et du coup, on pourra mettre la même chose que ça, fixé, mais à l'opposé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Là, on l'a fixé sur cette plaque-là. Là, il faudra qu'on fasse la même chose, mais sur cette plaque qui n'est pas encore là. Donc ça, on laisse en stand-by. Là, on va se sertir ça avec Elian. C'est parti, mon Guigui. Ça vient accroché. On appuie. Voilà. Voilà, là, au son, on entend qu'elle a déjà relâché. Il n'y a plus qu'à ouvrir la mâchoire. Voilà. Le témoin bleu est rentré dans la petite poche. Et là, il n'y a plus qu'à enchaîner. Et voilà. Voilà, tout est serti. Avant de sertir, on a bien vérifié grâce à la fenêtre. À chaque fois, t'as une fenêtre vraiment, enfin, t'en as quatre même, et tu peux vérifier à chaque fois que le multicouche Flowfit, qui est de couleur grise, comme tu peux le voir, est arrivé en butée. Tu le fais grâce à ces fenêtres. Voilà, je t'en montre une autre là. Donc une fois que t'as vérifié ça, t'as plus qu'à sertir, et là normalement, on est nickel. Prochaine étape. On va venir plaquer ici, fermer de ce côté-là, comme ça on pourra poser le bac à douche. On pourra poser cette plaque-là, on viendra ouvrir de l'autre côté, comme je te disais tout à l'heure, pour finir l'install côté cuisine. Come on, let's go! Là, Elian, il est en pleine préparation de la plaque qui va se retrouver juste là. Voilà. Là, on a ouvert de l'autre côté et on va mettre ça juste ici, avant de refermer. De cette manière-là, tout ce que tu vois ici, on va pouvoir le fixer par de l'autre côté. Voilà. Bon là, comme tu peux le voir, je tiens entre mes mains la bonde de douche. Donc elle est livrée comme ça. Avec ça, cette partie-là, c'est la partie qui va venir sur le bac à douche. Et après, tu auras cette partie-là pour récupérer les cheveux juste là, par-dessus. Donc, bien évidemment, par-dessus, tu as une grille. La grille, par contre, a été fournie dans le bac à douche. Donc ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. Nous, ce dont on va avoir besoin pour placer la bombe, c'est de un peu de tuyau en 5 ans parce qu'on s'est arrêté un peu plus tôt. Donc on va venir l'emboîter après. On va le couper à la demande. Là, j'ai mis une réduction 50 vers le 40. Et ça, c'est une bombe, elle existe en plusieurs modèles, en sortie PVC, sortie celle-ci, c'est sortie Silent TP, mais à chaque fois, c'est sortie 40. Donc le 40 avec la réduction, c'est nickel, et ça repart tout de suite en 50. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux le tourner là à 360 degrés. Hein. Avec le laser, on va essayer de trouver l'endroit où il va devoir être placé, même si j'ai déjà mis un repère. Je vais le faire au sol. J'ai déjà fait un repère au sol, mais je vais remettre le laser pour être certain qu'il tape bien dans le centre de la bombe. Et après, je vais couper ce dont j'ai besoin. Comme d'habitude, ébavuré, lubrifiant, emboîté. Et là, on sera bon au niveau de la bombe. Ensuite, on va poser le bac à douche. Et par le dessus du bac, une fois que le bac est bien posé, on viendra assembler les éléments que je t'ai montré tout à l'heure. On fera un test en eau et on sera bon. Là, j'ai plus qu'à mettre un coup de crayon blanc, j'ai pas le blanc. Ici. Donc là, tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que tu es en train de faire? Je suis en train de changer des pieds. Donc ça, ça va être le support des pieds. Ok. Je les colle. On va avoir des effets.
Donc là, c'est des barres métalliques que tu viens coller au dos du receveur. Ouais, et après, on aura des pieds qui vont venir se fixer dedans. Ok. Il y en aura 9. 1, 2, 3. Ça, on aura un support. Ok, donc là, on a choisi de mettre ça. C'est Géberit qui te... Alors, avance encore plus, parce qu'il y a la bande là, tu vois. On laisse l'espace pour la bande. Voilà, tu te mets quasiment à rare, c'est bon. Géberit te propose soit, si tu veux le faire au mortier, faire des plots, eh ben, tu en mets 3, comme ceci. Pareil au milieu, tu vois, tu as des réservations. Et si tu veux utiliser leur système, c'est un système de rail. Donc là, on a bien nettoyé le support avant de l'encoller. Ça, c'est du double face qui est fourni avec le rail. Donc c'est un kit complet. Il y a aussi les pieds fournis avec, qui sont réglables à différentes hauteurs de pieds. Ceux-là, c'est des 6, de 6 à 12. Et après, si tu as besoin, il y en a des plus hauts. Bon, pour que ce soit plus pratique, on va le faire à la ventouse aussi. Donc on va le porter jusque là-bas. Et après, la ventouse, elle va nous permettre de le basculer parce qu'on n'a pas de place sur les côtés. On est vraiment juste. On a laissé une réservation de 5 mm sur les trois côtés. Donc on n'a pas de quoi passer nos mains, etc. Et on a envie de le poser en une fois pour éviter d'abîmer la bombe. Dès qu'elle a fini de chanter, tu peux y aller, mon pote. Bon, une fois que tu as bien vérifié le niveau dans tous les sens, au fond, là-bas derrière, etc. Donc tu sais que ton bac à douche est bien droit. Une fois qu'il sait, tu sais qu'il est bien droit, comme tu as pu le voir, on a fixé la bonde. Donc la bonde est fixée. Dernière étape, on va faire un test avec cette bouteille d'étanchéité avant de venir mettre ce mastic-là. Moi, j'utilise celui-ci. Avant de le mettre, tu fais ce test. Une fois que c'est bon, t'envoies ton ruban tout autour de mastic et après tu viens pousser un peu ton bac vers l'avant, vers l'arrière, etc. histoire que le mastic prenne bien avec le mur parce que il te sert à faire la dilatation mais il vient aussi te coller le bac. Au moins tu es sûr que ton bac ne va pas bouger comme ça, il n'y aura pas de vibration, il n'y aura rien du tout. Donc pense bien à le faire. Allez, c'est parti pour le test d'étanchéité. Là, il y a quoi? Il y a 1 litre à peu près. Donc tu y vas. Voilà. S'il faut, t'en renvoies de nouveau. Ok, là, j'attends que Elian me dise que c'est bon. Je vérifie dessous. Parce qu'il y a un raccordement là. Après, il y a des raccordements un peu plus loin ici. Et au sous-sol, il y a Elian qui vérifie qu'on récupère bien l'eau parce qu'on n'a pas fait le raccordement encore dans le local technique. Ça dit quoi? C'est bon. Et voilà, ce nouvel épisode plomberie est maintenant terminé. J'espère que la sertisseuse en FlowFit t'a plu. Dis-moi ce que tu as pensé de cette innovation en commentaire. Un petit encouragement avec un pouce, ça fait plaisir. Et si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends ? Allez, à dimanche prochain. Ciao.